je dois dire qu'au moment que François annonçait en effet son initiative, personnellement, je n'étais pas tellement surpris, mais j'étais quand même très heureux. La douce, la douze, c'est quand même une icône vraiment des chemins de fer belges. Et comme on a vu, en venant aussi avec la 29, ça va ensemble avec beaucoup d'émotion. En fait, François Skuyten et Casterman, c'est un couple qui dure depuis 30 ans. Alors évidemment, avec son complice de toujours, Benoît Peters, puisque les murailles de Samaris sont parues dans la revue à suivre en 1982. Mais voilà, 30 années de collaboration en toute fidélité, sans faille. Mais il y avait quelque chose d'un peu magique de voir surgir cette machine qui avait l'air d'être en même temps du passé et en même temps un peu du futur. Alors pourquoi ces deux-là étaient-ils faits pour se rencontrer? Parce qu'il y en a un qui imagine des trucs invraisemblables et l'autre il les réalise. Donc c'est pas une vidéo, c'est complètement interactif parce qu'en fonction des mouvements que l'on a avec l'album, en penchant l'album de droite à gauche, on va pouvoir animer la locomotive. Et ressemblait de plus en plus à la vraie, comme si elle sortait en fait de l'univers imaginaire de François, qu'elle passait donc du virtuel vers le réel.